Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour passer ce culte avec vous. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que vous avez pu profiter de toute cette belle journée ensoleillée. C'est bon pour le moral. Voilà, alors moi j'aurais voulu introduire ce culte en vous partageant un passage que l'on trouve dans l'épître de Jean. La première épître, premier chapitre, je vais le lire. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux et ce que nous avons contemplé, que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. Et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Quelle espérance nous avons en Jésus-Christ! Il est venu, il a été manifesté sur la terre. Et Dieu, notre Dieu, d'après ce que nous avons lu, c'est un Dieu de lumière. Il n'y a pas de ténèbres en lui. Et la lumière a été manifestée au travers de Jésus-Christ, son Fils. Il a été manifesté et il nous a arrachés de ce monde enténébré, et nous a arrachés et nous a amenés à sa lumière. Et aujourd'hui, quand nous marchons, nous savons distinguer entre la gauche et la droite. Parce qu'avant, nous étions aveuglés, nous vivions dans un monde obscur. Mais le Seigneur Jésus, parce qu'il est lumière, nous a éclairés. Il est la lumière sur notre chemin et nous vivons dans la paix. Et comme le dit ce passage, notre joie est parfaite en Jésus-Christ. Alors, après ce si beau message, je vous invite à nous incliner et nous allons remercier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il nous a donné, pour la lumière qu'il a introduite dans notre vie. Prions. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cette merveilleuse espérance que tu as donnée, Seigneur, à tes enfants, à tous ceux qui croiraient en toi, en ton Fils Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est par grâce que tu t'es manifesté sur la terre aux hommes. Et nous voulons aujourd'hui te rendre un culte qui te soit agréable, un culte qui t'honore, parce que tu es digne d'être adoré, d'être loué, d'être exalté, parce que tu es la lumière et qu'il n'y en a pas d'autre. Seigneur, nous remettons tous ces instants entre tes mains, nous remettons tous les intervenants, Seigneur, afin que ta gloire soit manifestée au travers de ton Église. Amen. Alors, sans plus attendre, je vais laisser la place au groupe de louanges qui va nous introduire dans ce régal que nous allons partager avec Dieu. Soyez bénis. Tourne vers toi.
L'opportunité de parler à Dieu.
l'opportunité de juste te laisser aller, à continuer à t'exprimer dans la présence du Seigneur. Nous parlons d'attirer la présence de Dieu. Attirer la présence de Dieu. C'est lié à ton cœur, à ton inspiration, à ta volonté. C'est ce qui fait la différence entre celui qui expérimente la présence de Dieu et celui qui ne l'expérimente pas. Alors prends ces minutes pour juste laisser ton cœur s'exprimer dans la présence de Dieu. Et dis-lui, montre-moi ta face, je veux te voir. Et par la suite, laisse-toi aller à exprimer ce que ton cœur ressent. Thank you.
suis pas satisfait là où j'en suis. Je l'ai déjà prié. Satisfait de la vie.
Alors merci pour ces beaux chants, ces chants qui montent vers Dieu comme un parfum agréable. Vous savez que Dieu trône au milieu des louanges de son peuple. Alors sans plus attendre, eh bien, nous allons passer à un moment qui est réservé pour les enfants. Et je sais que vous êtes derrière les écrans et que vous attendez impatiemment le moment Espace Vie. C'est pour vous. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre plusieurs mots. Le premier, c'est le mot espérance. Pas très compliqué, tu me diras. Je sais pas. L'espérance, on nous en parle dans la Bible, dans le livre de Job, par exemple. Le deuxième mot, c'est espoir. Espoir, espérance, est-ce que ça veut dire la même chose ou pas? Je vais t'expliquer ce que ça veut dire espoir. L'espoir, c'est un sentiment, c'est un souhait. Par exemple, j'espère que demain il y aura du soleil pour que je puisse encore aller rouler à vélo ou que je puisse jouer dans le jardin. Ou encore, j'espère que ce soir, maman va faire des frites. Mais peut-être que ça n'arrivera pas. Alors tu seras triste, tu seras déçu ou tu seras content si ça arrive. L'espérance, dont la Bible nous parle, c'est une promesse que Dieu nous fait. Et si Dieu nous fait une promesse, tu peux être certain qu'il la tiendra. Mais l'espérance ne va pas tout seul. Ce qui va avec l'espérance, c'est la foi. La foi sans l'espérance, ça ne va pas. Oui, je crois. Tu te souviens ce que ça veut dire, avoir la foi? Avoir la foi, c'est croire, même si on ne voit pas. Je crois dans les promesses que Dieu fait pour moi, même si je ne les vois pas. Parfois, ce sont des promesses, c'est la promesse de l'éternité, de la vie éternelle. C'est une des promesses qu'il nous a faites, mais il n'y a pas que celle-là. Chaque jour, il y a des promesses pour toi, et Dieu les tient. Par exemple, tu vois ici, je suis devant une balançoire. Quand j'étais petite, mon papa m'a promis de me faire une balançoire et il a tenu sa promesse, il m'a fait une balançoire. Aujourd'hui, j'ai bien envie d'aller dessus, mais j'ai un peu grandi, mais j'ai surtout grossi. Donc, je me dis, est-ce que les crochets vont tenir? Est-ce que les cordes sont assez fortes? Est-ce que la planche est encore résistante? Je ne sais pas. Est-ce que la structure sera assez solide? Mais tu sais quoi? J'ai pas besoin de me poser toutes ces questions parce que je connais celui qui a construit la balançoire. Et tu sais comment il est, mon papa? Il est super fort. Et quand il construit quelque chose, c'est très solide et ça dure super longtemps. J'ai confiance en lui et je sais qu'il fait bien les choses. Dieu, c'est notre papa au ciel. Il a des promesses pour nous et il les tiendra. Alors, la foi, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. On croit en des choses qu'on ne voit pas. On va faire une petite démonstration de foi. On va voir si Salomé a la foi en moi. D'accord? Prête? Oui. Avancez. Salomé, est-ce que tu me connais? Oui. Tu reconnais ma voix même si tu ne me vois pas? Oui. Tu sais que c'est moi. Est-ce que tu crois que je t'aime? Oui. Est-ce que tu crois que je veux ton bonheur? Oui. Que j'ai prévu des bonnes choses pour toi? Oui. Même si parfois je ne te dis pas tout le temps oui à tout ce que tu demandes ou je me fâche, est-ce que je t'aime quand même? Oui. Alors, si tu as confiance en moi, tu vas pouvoir te laisser tomber en arrière. Wow, bravo! Tu vois, c'est ça, avoir la foi. C'est croire, même si tu ne le vois pas. On peut croire en Dieu et on peut croire dans les promesses qu'il nous a faites. C'est notre espérance parce que nous savons que Dieu, ce qu'il a promis, il le fait. Alors, ce que je vais te demander de dessiner aujourd'hui, c'est de dessiner les personnes en qui tu peux avoir confiance. Moi, je t'ai parlé de mon papa. Je pourrais dessiner mon papa, ma maman, mon frère, Gaël, toutes les personnes en qui tu peux avoir confiance.
J'attends ton dessin, nous attendons ton dessin avec impatience. Et je te souhaite un bon culte. À bientôt. Voilà, maintenant, je vous invite à regarder quelques témoignages concernant la mission carcérale. Et nous aurons aussi la joie, le bonheur d'entendre un témoignage qui nous montre combien Dieu est grand et combien Dieu entend nos prières. Bonjour frères et sœurs, voilà, c'est un plaisir pour moi de me retrouver parmi vous de cette manière pour vous parler d'un projet qui me tient particulièrement à cœur, que certains d'entre vous connaissent déjà. La mission carcérale. La mission carcérale fait partie d'un vaste projet que j'aurai peut-être la chance de vous partager par la suite. Et c'est un projet qui consiste réellement à repenser la notion d'accompagnement des personnes qui sont détenues ou celles qui sortent de prison. Comment ça se passe de manière générale ? Eh bien, la mission carcérale, pour pouvoir agir, crée des collaborations et des partenariats. Des collaborations avec les institutions de l'aumônerie et des partenariats avec les communautés chrétiennes, au travers les pasteurs, mais surtout, également aussi, grâce et avec les membres. Et ça permet quoi ? Eh bien, de pouvoir générer des ressources humaines, financières, matérielles, pour pouvoir construire et développer des activités. Parmi ces activités, nous avons les visites ponctuelles, celles qu'il y a lors des fêtes de fin d'année, la Noël par exemple, ou au mois d'avril, pendant la fête de Pâques. D'autres activités consistent à pouvoir récolter des produits d'hygiène pour pouvoir les acheminer en prison. Et d'autres également consistent à pouvoir lutter pour le maintien des relations familiales malgré le contexte d'incarcération. Il s'agit de pouvoir aider des pères, des mères, des enfants à continuer de voir leurs proches incarcérés malgré ce contexte de détention. Comment vous vous sentez actuellement ? Alors qu'on se trouve dans un cadre de confinement lié à cette crise sanitaire, comment vous vous sentez ? Comment vous le vivez ? Je trouve que c'est réellement pour nous une belle opportunité de pouvoir nous connecter à ce qu'eux vivent au quotidien et de manière beaucoup plus stricte. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes dans ce contexte de crise sanitaire, nous n'avons pas pu aller les visiter au mois d'avril comme nous le faisons chaque année. Or, ces visites sont réellement ressources pour eux. Ce sont des temps où ils peuvent être plongés dans une atmosphère, de louange, d'adoration, d'exhortation, de partage au travers de la nourriture, mais surtout au travers des échanges. Et souvent, le retour qu'ils nous font, c'est que ce sont des temps qui sont bénis pour eux, qui les aident encore à repartir dans leur contexte de détention plus fort. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes privés de l'action au travers de ces actes concrets que nous faisons sur le terrain, il nous reste encore une arme, la prière. Et donc, je nous inviterai tous, oui, c'est vrai, à pouvoir être sensibilisés à la mission carcérale afin de la rejoindre, mais bien plus encore de prier. Que chacun chez soi, nous puissions encore prier pour eux, afin que le Seigneur qui est partout et qui n'est pas limité par les crises ou par les distances ou autres, que ce Dieu-là puisse encore les encourager et les fortifier. Soyez bénis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, je voulais vous remercier pour vos prières, vos pensées, vos messages dont vous avez fait preuve pendant la difficulté qu'on a passée avec mon frère Jean-Pierre. Comme vous le savez tous, il a été libéré au bout de 122 jours. On a vraiment espéré qu'il puisse être relâché avant. Bon, il aurait très bien pu ne pas l'être parce qu'aux États-Unis, on peut rester en prison sans chef d'accusation en fait. Donc vraiment vos prières, votre soutien, les jeunes pour certains d'entre vous ont vraiment porté mon frère, il s'est senti soutenu par Dieu, vraiment. Il m'a dit que Dieu ne l'avait jamais abandonné. Et il s'est vraiment senti soutenu tout au long de ce moment. Et comme il a exprimé, sans Dieu, vous ne pouvez pas passer cette épreuve. C'est pas possible. Si vous n'avez pas la paix dans le cœur, si vous n'êtes pas serein malgré un contexte absolument abracadabrant, en fait, parce que c'est un homme innocent qui va en prison et c'est pas toujours évident de garder vraiment confiance en la décision. Donc il n'a cessé de prier également. Et comme je vous disais, vraiment nous sommes vraiment sentis portés
portée à travers cette épreuve, portée par, par la foi, par vraiment s'attacher à Dieu, en fait. Lui laisser toute la place et lâcher prise, parce que là, nous n'avions vraiment aucun moyen de faire pression, si ce n'est par nos moyens basiques. Et donc, voilà, c'était vraiment un remerciement que je voulais vous faire. Et j'ai envie de dire de continuer vraiment à garder courage quand il y a une épreuve, quelle qu'elle soit, parce que vraiment Dieu répond, Dieu fait les choses en son temps et pas à notre temps. Évidemment, on voudrait que ça aille plus vite. J'ai pensé que ça irait plus vite, mais voilà, maintenant il est libre. Et bientôt, ben, c'est une autre bataille qui va s'engager pour Sébastien. Et là encore, on sait que Dieu pourvoira, que Dieu répondra et qu'il nous soutiendra et qu'il permettra à Sébastien de revoir son papa très bientôt. Je vous remercie de tout mon cœur. Je vous embrasse bien fort. Passez un bon dimanche. À bientôt. Bonjour tout le monde. Voilà, je me présente, Jean-Pierre Gillin. Je suis le frère de Johanna. Et elle m'a demandé, ainsi que Pasteur Victor, de raconter un petit peu mon histoire ici, mon témoignage de ces 4 derniers mois passés en prison, en Louisiane. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai été accusé de viol contre mon petit garçon, et j'ai été en fait pris au piège dans une situation complètement rocambolesque qui m'a vu me faire incarcérer en Louisiane pendant 4 mois. Et pour ne pas rentrer dans une question de logistique, je pense que ce qui est plus important, c'est de parler de ce qui s'est passé pendant mon incarcération. Et en fait, j'ai beaucoup appris sur moi-même, j'ai beaucoup appris sur Dieu, j'ai beaucoup appris sur mes manquements, j'ai beaucoup appris sur ma manière de pouvoir toujours aimer quelqu'un qui vous accuse honteusement de faits que vous n'avez pas commis, surtout contre votre propre enfant. Et malgré tout cela, j'ai appris beaucoup à aimer. J'ai appris les versets par cœur. J'ai appris les psaumes 91, 23, énormément de versets comme Romains 8, 28, James 1, 12. Enfin, j'en ai appris une panoplie. Et c'était finalement mes armes. C'était quand j'avais des doutes, quand j'avais des peurs, je récitais les versets. Et ça m'a donné une force, une quiétude et une paix intérieure que seul Dieu peut remplir et seuls les croyants peuvent comprendre. Et tous les jours on priait avec des camarades de chambrée. Il y avait beaucoup de chrétiens finalement à l'intérieur, des gens qui arrivaient qui n'étaient peut-être pas chrétiens mais qui par la force des choses le devenaient. Et tous les soirs on avait des Bible study justement. Et je veux juste dire que effectivement quand j'y étais, j'ai jamais douté de... Si ce n'est pas de l'issue, en tout cas, c'est de l'amour de Dieu. Je n'ai jamais douté que Dieu ne m'aimait pas ou ne m'aimait plus. J'ai eu des moments de doute par rapport à ce que Dieu voulait. C'est-à-dire qu'il fallait un peu comme Joseph, combien de temps j'allais rester là. Mais je savais que j'allais être sauvé d'une manière ou d'une autre. Ce n'est pas toujours la manière que l'on pense parfois. Mais ici, en l'occurrence... Je savais que j'étais innocent, je savais que j'avais un Dieu qui m'aimait et qui aimait aussi mon ex-femme, malgré les accusations complètement mensongères. Et je priais pour mon petit garçon tous les jours, je continue à prier pour mon garçon, je continue à prier pour la maman, parce que je pense qu'elle a besoin de Dieu, elle a besoin de son amour, elle a besoin de comprendre ce qu'elle fait. Et je voudrais juste dire que d'abord je vous remercie pour toutes vos prières. Je vous remercie pour votre amour. Et je suis convaincu que ça a fait la différence. J'ai eu énormément de gens qui ont prié pour moi. Et je l'ai senti. J'ai senti un apport et un support, surtout de gens un petit peu partout dans le monde, finalement. Donc je crois que dans ces moments-là, moi, je me sens beaucoup plus fort dans ma foi. Je me sens beaucoup mieux équipé pour affronter la vie, si on veut, maintenant. Je pense avoir les armes qu'il faut, et je ne suis pas aigri, je ne suis pas dans la haine par rapport à la maman, que du contraire, je prie pour elle et j'espère plein de bonnes choses pour elle, parce que je pense que le mal a fait son travail, mais je continue à prier pour elle, j'espère qu'un jour elle puisse avoir la foi comme nous. En tout cas, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait, grâce à vous, grâce à Dieu,
J'ai réussi à sortir d'une situation très compliquée qui, malgré mon innocence, n'était pas gagnée d'avance. Mais je sais que c'est grâce au Seigneur, et comme on dit en hébreu, Baruch Hashem, Baruch Abad Hashem Adonai, pardon. Donc, et béni celui qui vient en le nom du Seigneur. Et voilà. Je vous aime tous très fort. Je vous remercie pour tout. Et grâce à Dieu, j'espère vous voir très bientôt. Au revoir. Bonjour, chers frères et sœurs. C'est une joie de pouvoir nous retrouver ensemble dans ce culte pour bénir notre Dieu, pour le célébrer de tout notre cœur. C'est un privilège que nous avons d'être unis, de partager ce moment de communion fraternelle par le même esprit. L'Esprit de Dieu nous rassemble les uns et les autres et nous voulons vraiment être en communion. J'aimerais vous faire une lecture dans la parole de Dieu avant de partager le pain et le vin. La Sainte Cène, dans 1 Corinthiens chapitre 1er, au verset 18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Amen. La prédication de la croix, c'est la puissance de Dieu pour notre salut. Nous voulons jamais oublier ce que Dieu a fait pour nous. Nous pouvons oublier beaucoup de choses, mais n'oublions jamais l'œuvre de la croix. N'oublions jamais où nous étions et où Dieu nous a amenés par sa grâce. Imaginez quelques instants s'il n'y avait pas eu l'œuvre de la croix dans notre vie. Il n'y aurait pas eu de pardon de nos péchés, pas de salut, pas de nouvelle vie, la nouvelle naissance, aucune espérance sinon que la mort et la séparation avec Dieu pour ce temps et pour l'éternité. Éloigné de Dieu, séparé de lui, c'est la chose la plus horrible que l'on pourrait avoir, séparé de son amour, de sa grâce. On a beaucoup parlé de ce Covid-19, combien ça a généré de la souffrance dans les familles, le fait d'être séparé. Être séparé, être éloigné, fait souffrir, c'est vrai. Mais je pense que être séparé de Dieu, c'est pire encore. Sans vouloir minimiser ce virus, c'est vrai. Mais être séparé de la présence de Dieu, c'est la chose la plus indésirable qui pourrait nous arriver. Nous voulons ce matin nous rappeler, nous souvenir de l'œuvre de la croix, où Jésus, en mourant sur cette croix, il a tout accompli. Il a pris nos péchés. Il nous a lavés, il nous a purifiés. Jésus, le Fils de Dieu, le juste, celui qui n'a jamais commis le péché, est mort pour nous, des injustes. Nous étions les coupables, mais il nous a fait grâce. Nous voulons vraiment le bénir de tout notre cœur. Nous n'avons rien mérité. Tout est grâce. Il a transformé nos cœurs, il a transformé nos vies. Et maintenant, nous voulons l'honorer à travers nos vies, à travers notre témoignage. Nous voulons haïr le péché et aimer la présence de Dieu. Nous voulons lui rester fidèles dans notre vie. Alors, souvenons-nous une fois de plus de l'œuvre de la croix, où Jésus a tout accompli. Il est mort, c'est vrai, mais nous voulons nous réjouir, nous voulons célébrer aussi sa victoire. Il est ressuscité, il est vivant, et il est assis à la droite de Dieu, et il intercède pour nous. Quel privilège nous avons! Rien ne pourra nous séparer de son amour. Ni l'accusateur de nos âmes ne pourra jamais nous séparer, parce que Dieu, en mourant sur la croix, il a cloué les puissances des ténèbres, il a anéanti tout leur pouvoir, il a cloué notre péché, il a expié notre péché. Et ce matin, nous pouvons vivre dans la liberté des enfants de Dieu. Nous sommes plus esclaves du péché, mais nous sommes les enfants de Dieu. Alléluia, que Dieu soit loué. Partageons ce repas ensemble. Je vous invite à prendre ce repas. Voilà. Mangeons de ce pain qui nous rappelle le corps de Jésus qui a été brisé pour nous. Buvons aussi de cette coupe, ce vin qui représente le sang de Jésus qui a été versé sur la croix du calvaire pour nos péchés.
ce sang qui nous lave, qui nous purifie. Merci Seigneur. Voilà, je vous invite à prier et à remercier Dieu, à lui être reconnaissant pour tout ce qu'il a fait dans notre vie. Notre Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants ce matin. Nous te bénissons parce que tu as fait de nous tes enfants. Nous n'avons rien mérité, mais tu nous as fait grâce. Tu nous as témoigné ton amour en donnant ton Fils unique sur la croix. Merci pour ce privilège que nous avons de t'appartenir. Nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Voilà, je vais laisser maintenant la place au groupe de louanges qui va continuer ce culte. Que Dieu les bénisse, que Dieu le bénisse.
Merci Seigneur pour tout ce qui a été fait dans ta présence. Maintenant, nous voulons contribuer à l'œuvre de Dieu. Nous voulons participer à son œuvre en donnant des offrandes, des dons, des libéralités pour l'œuvre de Dieu. Il y a le numéro de compte de l'Église, Église Pleine Vie, qui va s'afficher en bas de l'écran. Voilà, prenez bien note. Et nous voulons donner avec joie, sans contrainte ni tristesse, mais faire tout cela pour la gloire de Dieu. Nous voulons remercier Dieu pour la santé qu'il nous donne, pour le travail qu'il nous donne, et nous voulons lui rendre toute la gloire. Prions. Notre Dieu, nous voulons te consacrer toutes ces finances afin qu'elles servent à ton œuvre, mon Dieu, qu'elles puissent contribuer à ton service, au bien de la communauté. Seigneur, merci de diriger ceux qui en ont la responsabilité, que tout se fasse avec sagesse pour ta seule gloire, au nom de Jésus. Amen. Voilà, sans tarder, je vais laisser la place à notre frère et ami Antoine, qui va nous apporter le conseil de Dieu, que Dieu vraiment le bénisse et nous fasse grâce à tout à chacun. Merci Seigneur. Amen. Bonjour. Bonjour chers amis, bien-aimés. Merci d'être présent ce matin dans la présence de Dieu. Merci pour ce temps de louange et d'adoration. Merci pour ce moment merveilleux que nous pouvons passer dans la présence de Dieu, même si les occasions ne nous permettent pas de nous rassembler encore ensemble. Nous sommes unis par le même esprit et dans chacune de nos maisons, nous sommes unis pour célébrer, rencontrer notre Dieu, le célébrer pour tout ce qu'il est. La Bible dit que l'Éternel Dieu est prêt. Il est tout près de ceux qui l'invoquent avec sincérité. Et je bénis Dieu pour les témoignages, de voir que Dieu intervient, Dieu entend nos prières et que Dieu agit. Dieu a son temps. Dieu agit comme il veut et quand il veut. La Bible dit que lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel Dieu l'entend et il le délivre de toutes ses détresses. Et quelles que soient les situations que nous pouvons traverser les uns comme les autres, je sais que nous vivons des moments particuliers avec des situations différentes et particulières, mais quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, soyons rassurés, le Seigneur est avec nous. Le Seigneur est là. Nous pouvons espérer, nous pouvons garder l'espérance. Et d'ailleurs, c'est le thème de mon exhortation pour vous ce matin, espérer. Il y a encore de l'espérance. Peut-être que certains vont me poser la question, ou vont se poser la question, mais y a-t-il encore de l'espérance pour moi alors que tout autour de moi s'effondre, alors que les choses ne vont pas comme il devait, que cela devait être? Oui, je peux vous assurer qu'il y a de l'espérance. Il y a encore de l'espérance pour chacun d'entre nous. Il y a de l'espérance parce que la parole de Dieu nous dit que l'espérance ne trompe pas. Parce que l'espérance vient de Dieu. C'est notre Dieu qui est le Dieu de l'espérance, parce que Dieu ne trompe pas, Dieu ne change pas. La Bible dit qu'il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Dans Romains 15, 13, il est écrit ceci, « Que le Dieu d'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » Oui, oui. Nous pouvons espérer encore aujourd'hui parce que le Saint-Esprit lui-même rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers et nous héritons de toutes les promesses de Dieu pour nous. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers et co-héritiers avec Christ, co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. C'est ce que l'apôtre Paul a écrit dans Romains 8, 16, 17. Oui, nous pouvons espérer, car notre espérance n'est pas pour la vie éternelle seulement, mais c'est aussi pour aujourd'hui. Écoutons David lorsqu'il s'est écrié dans le psaume 27. Il a dit ceci, « Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de Dieu sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse
espère en l'Éternel. Pour David, son espérance n'est pas seulement dans la vie éternelle, mais son espérance est pour aujourd'hui, maintenant, dans la terre des vivants, parmi les vivants. Ce n'est pas dans le séjour des morts qu'il attend seulement son espérance, mais c'est parmi les vivants. C'est aujourd'hui que Dieu veut se manifester. Et puis, je peux vous dire, oui, il faut espérer, nous devons espérer, vous devez espérer, parce que l'espérance donne la joie. Quand on lit dans Romains 12, il nous a dit ceci, « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » J'aimerais prier avec vous quelques instants avant de continuer. Que vraiment Dieu nous visite ce matin, et que Dieu sème sa parole dans notre cœur comme une parole vivante qui va porter du fruit. Père Céleste, c'est un privilège et une grâce de pouvoir nous retrouver devant ta face et méditer ta parole. Ta parole est esprit et vie. Ta parole ne revient pas à toi sans avoir accompli l'effet pour lequel elle est sortie. Je te prie pour ce moment, que cette parole que nous pouvons méditer ensemble puisse être une parole de vie. Seigneur, que cette parole puisse ressusciter, encourager, fortifier. Seigneur, moi je ne vois pas, je ne sais pas, mais toi tu vois, tu sais, les cœurs qui entendent, tu sais ceux qui sont derrière leur écran maintenant et qui vivent des situations que toi seul tu connais, car toi seul tu sondes les cœurs et les reins. Je te bénis, je te loue, je te rends grâce pour ta bienveillance et ta fidélité. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Oui, je disais que nous devons espérer, nous avons raison d'espérer. Et la question que je dois me poser, c'est qu'est-ce que l'espérance au fait? L'espérance, c'est cette attente joyeuse dans laquelle nous restons en attendant l'accomplissement des promesses de Dieu pour nous. Oui, Dieu a fait des promesses pour nous et ces promesses sont fiables et certaines. Et dans une attitude de foi, nous nous attendons, on est là, on attend que la parole de Dieu, les promesses de Dieu se réalisent et s'accomplissent pour nous. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. L'espérance, tout dépend de Dieu. L'espérance ne dépend pas de nous. L'espérance ne dépend pas de nos capacités. L'espérance ne dépend pas des circonstances qui nous entourent. L'espérance ne dépend pas de nos sentiments ou même de nos tempéraments. L'espérance, c'est quand Dieu lui-même se lie par sa parole et ses promesses pour nous. C'est-à-dire que Dieu promet et il se fait un serment et c'est comme il s'est lié lui-même par sa parole. Et parce qu'il est lié par sa parole, il exécute sa parole au temps marqué, au temps voulu. D'ailleurs, dans l'Ancien Testament, lorsqu'on lit, par exemple, l'histoire du peuple de Dieu dans le livre de Josué, vous vous rappelez de cet épisode où Josué avait envoyé à Jéricho deux espions pour explorer le pays. Et cette femme, cette prostituée, du nom de Rahab, qui les avait recueillis, gardés, cachés. Et il s'est passé quelque chose, une alliance, un serment entre les deux envoyés, les deux espions de Josué et cette dame, cette femme, Rahab. Et les envoyés de Josué avaient demandé à Rahab d'accrocher à sa fenêtre un cordon rouge. Et le mot espérance, c'est le même mot qui traduit ce mot cordon. Donc, dans cette symbolique, dans cette image, on voit un lien. Le cordon, c'est comme un lien qui lie. C'est comme un lien qui permet de lier. Et Dieu, dans ses promesses, c'est comme il a pris une corde et il a fait un lien, une alliance avec nous dans l'accomplissement de ses promesses. Et parce que Dieu est lié à sa parole,
et par sa parole, il l'accomplit. Amen. Et ce matin, j'aimerais vous parler de quatre éléments qui peuvent nous aider à faire avancer, à vivre dans notre espérance avec joie. Et pour cela, nous allons lire dans le livre de Job, Job 14, versets 7 à 9. Il est écrit ceci. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Amen. Bien-aimés, je vous avoue vraiment que de tout cœur que cette parole m'a touché d'une manière extraordinaire. Cette parole a eu une saveur particulière pour moi. C'est comme si j'ai fait une rencontre avec la parole de Dieu. Je vais vous donner un petit témoignage. Vous savez, au début de cette crise, de ce confinement, au début du confinement, on était à la maison et les premiers moments, tout se passait bien. Et puis, les jours qui passent, avec les informations qui nous parviennent de gauche à droite, la télé, la radio, les réseaux sociaux, avec la liste des personnes contaminées, des personnes qui décèdent. Et à un moment donné, on a commencé par parler de certaines catégories de personnes qui sont des personnes à risque. Et tout de suite, j'ai commencé par avoir peur. Parce que je me suis retrouvé dans une catégorie, je me suis vu dans la catégorie des personnes à risque. Et j'ai commencé vraiment à angoisser, à avoir peur. J'ai essayé de trouver dans la parole de Dieu un réconfort, une parole qui puisse m'encourager. Et c'était pas possible. J'avais deux voix que j'entendais. Il y a la voix des médias que j'entendais, mais tu fais partie de la catégorie des personnes à risque. Et plus j'entendais cela, plus j'avais peur, moins j'entendais la parole de Dieu. Et j'avais vraiment besoin d'une parole fraîche, d'une parole qui vienne me réconforter, me fortifier. Je connaissais toutes les paroles, les promesses de Dieu pour moi, mais toutes ces paroles n'avaient pas de véritable impact dans la situation que je vivais. J'étais presque perdu. Alors je priais le Seigneur vraiment afin que Dieu me donne une parole fraîche. Comme lorsque le peuple était dans le désert, Dieu leur envoyait la manne fraîche tous les jours. Et j'avais vraiment besoin de cette parole fraîche, comme si c'était pour la première fois que Dieu me parlait. Alors pour faire passer le temps et changer un peu les idées, j'ai commencé par travailler dans le jardin. Et dans mon jardin, il y a quelques années d'ici, il y a deux troncs d'arbres que j'ai coupés. Il y a particulièrement un tronc d'arbre que j'ai coupé. Et chaque fois, l'année d'après, cet arbre, ce tronc repousse et rejette des rejetons. Au point qu'il y a 2-3 ans, j'ai même fait du feu, j'ai mis du pétrole, j'ai allumé, j'ai mis des brindilles, j'ai fait du feu pour allumer, pour le brûler. L'année d'après, les rejetons sont revenus plus vigoureux que les dernières fois. Et alors que je priais pour que Dieu me parle, Dieu était en train de me parler alors que je ne le savais pas, je ne le réalisais pas. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et à un moment donné, je suis tombé, je ne sais même pas comment vous l'expliquer, sur ce passage. Et ce passage a fait une connexion avec ce que je vivais dans mon jardin. Et aujourd'hui, je vous assure que la plupart du temps, quand je me lève, je vais prier dans mon jardin. Et quand je vois ce tronc d'arbre, je me rappelle de cette parole de Dieu. Oui,
Un arbre comme celui-là aussi a de l'espérance. Et si ce tronc d'arbre, malgré toutes les années où je le coupe, où je le blesse, j'essaie de le faire mourir, il arrive à repousser. Et si cet arbre a de l'espérance, combien à plus forte raison, moi qui suis enfant de Dieu, devrais-je avoir de l'espérance? Et ce qui m'a surpris, entre autres, c'est le livre dans lequel Dieu m'a conduit pour me fortifier, pour m'encourager, le livre de Job. Quand on parle du livre de Job, c'est le livre de la souffrance, c'est le livre des questionnements. On se demande pourquoi telle situation, on ne comprend pas. C'est le livre de la tristesse. Un homme qui a tout et qui perd tout en même temps, alors qu'il est un homme intègre. En tout cas, c'est le livre de la souffrance au sommet. Mais c'est dans le même livre où on trouve l'une des plus belles expressions de l'espérance d'un homme. Quand Job s'est écrié, « Ah, je sais, peut-être Job, si on devait l'écouter, alors que sa femme lui disait, « Mais maudit ton Dieu et meurs. » Et la situation qui est là, Job ne comprenait pas pourquoi est-ce que la maladie est venue attaquer sa peau. Job ne comprenait pas pourquoi est-ce que tout d'un coup ses fils et ses filles sont morts, son bétail, tout ce qui lui arrive. Si on pouvait entendre Job parler, Job pouvait nous dire, mais je ne sais pas, je ne comprends pas pourquoi ceci, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la maladie m'attaque, mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Écoutez, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Amen. Quelle belle parole, quelle belle expression de l'espérance d'un homme. Quand bien même tout peut m'arriver, dira-t-il, je suis sûr que Dieu va se manifester. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre des vivants et qu'il me sera favorable. Et quand bien même tout pouvait m'arriver, oui, j'ai l'espérance que je le verrai et qu'il me sera favorable. Et ce sont mes yeux qui le verront et non les yeux d'un autre. Et puis, il y a une chose aussi qui m'a fort interpellé. Dans le livre de Job, je me dis, mais Seigneur, pourquoi est-ce que c'est dans le livre de Job que tu vas me parler? Et ce matin, Dieu vous parle au travers du livre de Job. Ce livre de souffrance. Vous savez que dans la Bible, il y a plusieurs livres. Il y a des livres avec des grands exploits. Il y a des livres dans lesquels on parle des exploits de Dieu. Mais dans le livre de Job, c'est le silence de la souffrance. Il y a plusieurs livres dans notre vie, bien-aimé. Dans ta vie, il y a plusieurs livres. Il y a des pages dans notre vie. Il y a des chapitres dans le livre de notre vie. Il y a des chapitres glorieux et des chapitres moins glorieux. Mais sachons que même dans les chapitres les plus sombres, comme dans le livre de Job, Dieu a placé une parole d'espérance pour toi. Dieu a placé une parole d'espoir pour toi. Dieu a placé une parole de foi pour toi. Oui, tu ne mourras pas. Oui, tu repousseras. Même si on te coupe, si tu es blessé, tu produiras encore des rejetons. C'est-à-dire que tu produiras encore la vie. Quatre éléments qui portent ou qui nous aident à prospérer dans l'espérance. Quand on regarde cet arbre qui est coupé, cet arbre revit parce que cet arbre a des racines. Cet arbre a des racines qui vont dans le sol, dans la bonne terre, pour tirer de la bonne nourriture. Et ces racines, c'est la foi. Et le premier élément qui peut nous aider à garder l'espérance et à espérer en l'Éternel, c'est notre foi, l'enracinement de notre foi.
notre foi dans la parole de Dieu. Et cette terre, c'est la parole de Dieu, c'est la terre nourricière, c'est la nourriture qui nourrit la plante, c'est-à-dire c'est la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Christ lui-même. Christ est la parole, et ta vie comme la mienne, comme cet arbre, si elle est bâtie sur la parole de Dieu, sur Christ, et quand bien même on nous coupe, quand bien même on met du feu dans notre vie, quand bien même devons traverser des moments les plus difficiles, quand bien même nous devons traverser des saisons difficiles, eh bien, il y a de l'espérance parce que nous repousserons un jour, parce que notre racine est enracinée dans la foi, dans la parole de Dieu. La Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Il faut que, premièrement, notre foi soit enracinée dans la parole de Dieu. La Bible dit dans Psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Écoutons. « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. » Je comprends pourquoi, au fond de mon jardin, cet arbre que j'ai coupé il y a des années continue à vivre et à survivre parce qu'il a sa racine qui est plantée et qui va chercher la bonne nourriture dans la terre nourricière qui est la parole de Dieu. Donc, premièrement, la foi. En deuxième point, la parole de Dieu qui est Christ, être fondé, planté en Christ, se baser sur Christ, sur la parole de Dieu. Et puis, quand on lit ce texte de Job, il est dit ceci au verset 9, « Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. » Je reprends. « Il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. » Le troisième élément, c'est l'eau. Cette plante vit et survit parce qu'il y a de l'eau, parce qu'elle est arrosée. Et l'eau nous parle du Saint-Esprit. L'eau nous parle du Saint-Esprit. L'eau du Saint-Esprit. Et pour que tu puisses prospérer et garder l'espérance, il faut que ta vie soit arrosée par la vie du Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il faut le faire vivre en nous afin que ce flot jaillisse en nous et qu'il nous inonde, qu'il inonde toute notre vie. Amen. L'eau du Saint-Esprit, symbole du Saint-Esprit. Et puis, il y a un quatrième élément. C'est la main invisible qui arrose. La main invisible qui arrose. Quelle est cette main invisible qui arrose? C'est la main de Dieu simplement. C'est celui qui vient arroser. Bien-aimé, il y a dans ce texte deux personnes ou deux intervenants. Il dit, quand on le coupe, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui coupe, il repousse encore parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrose. Quand on laisse notre vie arrosée par Dieu, quand on laisse notre vie entretenue par Dieu, c'est vrai que la vie peut nous réserver des blessures. Il y a quelqu'un qui, dans notre vie, un jour nous a coupés, nous a blessés, et nous sommes là avec cette blessure. Mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui est là, dont on ne voit pas nécessairement l'action, tellement il est discret et bienveillant, c'est celui qui le soir vient avec son arrosoir, qui vient nous arroser, qui vient prendre soin de nous pour que nous puissions reprendre vie, pour que cette plante ne meure pas, mais que cette plante puisse vivre, que cet arbre ne meure pas, mais qu'il puisse repousser et vivre. C'est Dieu qui prend soin de nous. Il y a quelqu'un qui blesse, mais Dieu est là pour nous soigner. Dieu est là pour panser nos blessures et nos plaies. N'oublions pas que Dieu ne coupe pas,
Mais Dieu prend soin, Dieu soigne. Dans Ésaïe 42, il est dit ceci, Dieu ou le Seigneur, il ne brisera pas le roseau cassé. Oui, Dieu ne brise pas le roseau cassé. Il le redresse. Il use de bienveillance et il en prend soin. Bien-aimé, j'aimerais que nous puissions retenir ces quatre éléments. La foi enracinée, la terre qui est la parole de Dieu, qui doit nous nourrir tous les jours, le Saint-Esprit qui doit arroser notre vie et s'attendre à la main visible de Dieu qui prend soin de nous, qui nous arrose. J'aimerais simplement terminer avec vous en lisant dans Matthieu 6, à partir du verset 25 à 34, et nous allons terminer par là et prier ensemble. Matthieu 6, verset 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lilies des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? » Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste, écoutez bien, votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Amen. Votre Père Céleste sait de quoi vous avez besoin. Notre Père Céleste sait de quoi nous avons besoin. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais simplement prier avec vous. Priez pour l'un ou l'autre parmi nous qui est comme cet arbre au bord du chemin. Les gens passent et jettent et le coupent. Il est égratigné, il est blessé. L'année revient, il repousse. Et puis on vient encore le couper, le blesser. Prions afin que la main de Dieu, cette main visible, puisse venir l'arroser, prendre soin de lui, pour qu'il produise encore du fruit. Je prie aussi pour cette personne ou celui qui est comme ce tronc d'arbre. En préparant cette méditation, cette exhortation, j'avais comme une image devant moi de cette personne comme une femme qui a un tronc qui est en train de mourir, qui est en train d'être desséché, comme le sein desséché, et qui ne peut plus produire de vie. Mais je veux prier afin que le Seigneur puisse arroser, afin que ce tronc qui meurt, qui est en train de mourir dans la poussière, puisse reverdir, et prendre vie. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Oui, ta parole nous dit que nous pouvons encore avoir de l'espérance parce que tu ne changes pas.
parce que tu viens sur ta parole et tu l'exécutes au moment que tu le désires. Je prie afin que tu bénisses tous ceux qui ont entendu cette parole de ce matin, que cette parole puisse produire de la vie. S'il y avait des situations dans une vie comme ce tronc d'arbre qui est en train de mourir, de dessécher, Seigneur, viens arroser cette vie afin que cette vie puisse produire, que ce tronc d'arbre, pardon, puisse produire encore de la vie. Seigneur, qu'il y ait du nouveau. Seigneur, qu'il y ait une nouvelle saison. Quand bien même les saisons sont difficiles, qu'elles puissent se redresser et porter du fruit. Tu dis que tu ne brises pas le roseau cassé, mais tu le redresses. Seigneur, je te prie pour toutes ces personnes qui sont comme cassées. Seigneur notre Dieu, redresse-les, prends soin d'eux, garde-les. Seigneur, que ta main bénissante les entoure jour et nuit et que ta bienveillance soit leur partage. Je te bénis, je te rends grâce, je te loue au nom de Jésus, ton Fils bien-aimé. Amen. Que Dieu vous bénisse et soyez encouragés. Dieu sait toutes choses. Ayez confiance en Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Espérez en l'Éternel. Amen. Merci Antoine pour ce magnifique message plein d'espérance. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette magnifique matinée ensemble. Et avant d'entendre le groupe de louanges nous interpréter un dernier chant, je vous invite à bien noter les annonces et les temps de connexion de cette semaine. Lundi, 10h, connexion prière avec notre frère Antoine. Mardi, 10h, connexion au cœur de la Bible avec le pasteur Victor. Jeudi, 19h30, prière, connexion prière en live avec Jean-Pierre et Coco. Vendredi, 17h, connexion enfant avec Espace Vie. Mercredi, 14h, connexion spéciale avec Quartier Libre. Voilà, si vous souhaitez être informé de l'arrivée prochaine des vidéos, il vous suffit de vous abonner à notre chaîne YouTube, comme indiqué sur votre écran, et n'hésitez pas également à consulter notre page Facebook, Église Pleine Vie, Flémal. Voilà, que Dieu vous bénisse richement, puissiez-vous passer une bonne semaine, et à la semaine prochaine. À bientôt! Mes péchés.
Un bon moment les uns avec les autres, même connectés, quoique connectés. Et voici venu le moment pour nous de vous souhaiter un bon dimanche, et une belle semaine en Jésus-Christ. Amen. Et que puissiez vraiment chacun, que nous puissions chacun, chacune, repartir avec cette aspiration à attirer la présence de Dieu. Ce n'est pas lié juste au dimanche, juste à un temps de culte, mais réellement parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit tout le long du jour. Alors puissions-nous encore continuer à méditer, et que ce désir puisse grandir en nous. Seigneur, j'aspire à attirer ta présence. Amen. Bon dimanche. Bon dimanche. À bientôt. Bye bye.